Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Sénégal où un ex-élément des forces spéciales est arrêté par Interpol. Les autorités de la transition sont en train de négocier pour que ce dernier soit rapatrié ou extradé en Guinée. On se pose la question à savoir pourquoi Doumbouya a demandé à Interpol de mettre la main sur ce dernier. Alors, la réponse est très simple. Mamadi Doumbouya est prêt à tout pour sécuriser son pouvoir. Raison pour laquelle il est en train de mettre les mains en œuvre pour arrêter toute personne pouvant nuire à son pouvoir et les exterminer. Comme il l'a fait avec le général Sadiba Koulibaly. C'est un cas très récent en République de Guinée. Raison pour laquelle nous supplions le président Diomaye Faye de maintenir ce dernier au Sénégal, car s'il franchit la Guinée, ce sera la fin pour lui. Et Diomaye Faye devrait porter sa disparition sur sa conscience, car il est conscient et sait jusqu'où peut aller Mamadi Doumbouya pour sécuriser son pouvoir. Nous tenons aussi à vous rappeler qu'en ce qui concerne la durée de la transition en République de Guinée, la CDAO a pris une décision très surprenante. En encourageant Mamadi Doumbouya et en validant un glissement des dates en République de Guinée. C'est à Doumbouya de fixer la nouvelle durée de la transition. La CDAO ne s'y opposera pas. Eh bien les amis, c'est donc ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez donc toujours abonnés, restez à la chaîne, partagez la vidéo avec vos amis, amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez intéressante. A très bientôt donc pour un tout nouveau petit bulletin d'information d'ici là. Portez-vous toujours très bien.